Bonjour, je m'appelle Vincent Lainesse, président de la Chambre de commerce de la Grande Région de Saint-Hyacinthe. Comme vous le savez sans doute, on est en pleine période électorale. Donc, la Chambre, on a décidé d'inviter tous les candidats à venir nous partager leur vision, partager leurs idées à toute la communauté d'affaires de Saint-Hyacinthe. Donc, je vous souhaite bon visionnement. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chantal Soucy, députée sortante et candidate pour la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Saint-Hyacinthe. Je suis votre députée depuis 8 ans et vice-présidente de l'Assemblée nationale depuis 4 ans et fière mascoutaine. S'il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que l'équipe de François Legault, dont je fais partie, a à cœur la communauté, le bien-être de la communauté des affaires, ainsi que la prospérité du Québec. L'accélération du développement économique au Québec est au centre des ambitions de la Coalition Avenir Québec. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que chaque geste que mon gouvernement pose en matière économique est pensé pour le Québec de demain, pour qu'il soit plus prospère, plus compétitif et plus vert. Alors ensemble, continuons. Donc, bonjour, je suis Alexis Gagné-Lebrun, candidat pour le Parti québécois dans le comté de Saint-Hyacinthe. Je suis physicien et économiste de formation, donc avec ces deux maîtrises-là. J'ai aussi une troisième maîtrise en enseignement, en éducation et un programme court de deuxième cycle en administration publique de l'École nationale d'administration publique. Donc, avant l'élection, comme dans ma vie personnelle, je suis directeur adjoint aux études au Cégep de Saint-Hyacinthe depuis assez récemment. J'ai été dans les 13 années précédentes professeur de physique toujours au Cégep à Saint-Hyacinthe. J'ai également été conseiller politique de Pierre Duchesne lorsqu'il était ministre de l'Enseignement supérieur à Québec. Donc, j'ai connu la dynamique autant politique qu'administrative avec la haute fonction publique. Je suis président de la commission politique depuis 2017 au Parti québécois. En ce sens, j'ai eu les responsabilités de coordonner l'écriture du programme qu'on appelle le projet national au Parti québécois. J'ai également contribué à la plateforme électorale et j'ai été responsable du cadre financier là, que j'ai présenté avec notre chef cette semaine. Au Parti québécois, je vais vous rappeler rapidement, c'est quoi? C'est le parti d'abord des responsabilités. On veut que le Québec prenne ses propres responsabilités sans dépendre des autres, bien sûr, comme vous le faites dans votre entreprise. Il y a une différence entre un soutien et que les personnes prennent vos responsabilités. Le projet d'indépendance, c'est d'abord et avant tout quoi? Une décentralisation des pouvoirs. Donc, prendre les pouvoirs qui sont à Ottawa, les amener à Québec, et bien sûr, en conséquence, de prendre des pouvoirs à Québec de manière importante et les décentraliser dans les régions pour s'assurer que les personnes sur le terrain soient les mieux à même de pouvoir prendre les meilleures décisions pour leur région. Voici, généralement ma candidature. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Philippe Daigneault, j'ai 34 ans. Je suis enseignant au Cégep de Saint-Hyacinthe depuis maintenant 8 ans en anglais langue seconde. Je suis un résident de la ville, en fait, j'ai toujours habité à Saint-Hyacinthe, sauf un prêt fiscal à Sherbrooke et à Québec pour mes études. En plus d'enseigner, je suis aussi très impliqué dans mon milieu de travail. J'ai été responsable de la coordination départementale 3 ans déjà et je suis aussi impliqué dans le comité précarité du Cégep, c'est-à-dire l'accueil et le soutien des nouveaux enseignants ainsi que le comité mobilisation. Je siège aussi en fait sur la CE, la commission des études. Ensuite, pour ce qui est plus d'implication citoyenne, j'essaie de m'impliquer quand il y a des demandes là, qui sont faites par la ville justement par rapport aux citoyens. Donc le plan, par exemple, d'urbanisme de la ville récemment. Qui a été récemment approuvé, j'ai été aux rencontres assidûment. Je m'implique aussi en ce qui concerne, bien sûr, Québec solidaire. Donc, je ne suis pas un candidat qui sort un petit peu de nulle part. Ça fait 5 ans que je m'implique pour le parti. Ça fait 4 ans, en fait, que je suis coporte-parole au niveau local. Bonjour tout le monde. Mon nom est Gary Daigneault, célibataire, divorcé, sans enfant, natif, originaire de Saint-Hyacinthe, né dans le vieil hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe en 1957. Donc, oui, on fait le décompte. Âgé de 64 ans, bientôt 65. Le 28 septembre prochain, j'aurai 65 ans, l'âge vénérable de la retraite. Animateur de radio pendant 44 ans,
commencé en 1978 dans cette manifestation ici à Saint-Hyacinthe, CKBS AM 1240, grâce à M. Roger Duceppe, qui était mon patron. Et ben, j'ai cheminé jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, je continue d'en faire. C'est un peu une drogue, une piqûre. Je fais des petites chroniques dans des radios de Montréal, un peu partout. Et ça a été ça ma vie. La radio. À travers ça, un peu beaucoup d'animation un peu partout. Animateur, annonceur maison au Stade LP Gaucher sur à peu près toutes les équipes de hockey qu'on a eues à Saint-Hyacinthe. Donc, ma carrière a été très, très bien remplie dans le public, toujours dans le public. Et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, j'en suis là. Ma situation a changé. J'aurai l'occasion d'en reparler au cours de l'enregistrement qu'on fait actuellement. Écoutez, la pénurie de main-d'œuvre, c'est une préoccupation pour plusieurs entrepreneurs mascoutins, mais partout au Québec, c'est une préoccupation. Mon gouvernement a lancé le chantier main-d'œuvre. C'est un grand chantier de 3,9 milliards de dollars. Pourquoi? Bien, pour requalifier et former la main-d'œuvre québécoise. Et pour ce faire, on va agir sur 4 grands fronts. Première chose, on va augmenter la productivité de nos entreprises par la robotisation, par l'automatisation et par l'innovation. Deuxièmement, mieux former et requalifier des milliers de travailleurs. Troisièmement, on va régionaliser l'immigration et surtout l'arrimer avec les besoins du marché du travail. Et finalement, on va augmenter de 35 % le nombre de diplômés dans les formations professionnelles. Parce que oui, on a besoin évidemment des universitaires, mais on a besoin de ces hommes et de ces femmes qui sont des spécialistes dans leur métier. Et il n'y a pas de solution miracle. Il faut agir sur plusieurs fronts en même temps. Et c'est exactement ce que la Coalition Avenir Québec fait et continuera à faire le 3 octobre prochain si vous nous donnez le mandat. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, c'est bien sûr un problème très important et qui fait juste commencer au Québec. Là, on en a pour plus d'une décennie probablement à vivre ça. Au Parti québécois, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est se baser sur les vraies solutions qui auront un impact. Donc, j'en profite pour dire que donc le but, c'est quoi? C'est d'augmenter le taux d'emploi au Québec. Première chose que je veux dire, c'est que l'immigration, selon toutes les études économiques et démographiques, n'amène pas une augmentation du taux d'emploi parce que ça amène autant des nouveaux employés que plus de consommation, donc ça amène un jeu à somme nulle. Nous, la première proposition qu'on met, qui est une proposition très forte, c'est de donner un fort incitatif pour les travailleurs de 60 ans et plus pour retourner sur le marché du travail ou pour y rester. Donc, on parle d'un congé d'imposition sur 35 000 $ de revenus. C'est vraiment une proposition très forte. Avec ça, on pense qu'on va pouvoir, de manière importante, infléchir le taux d'emploi chez les personnes de 60 ans et plus qui est en ce moment en recul par rapport à nos voisins. Un autre enjeu important, c'est bien sûr tout le soutien à l'automatisation, à la robotisation qui est nécessaire à travers l'ensemble des entreprises. Là-dedans, on a besoin donc d'un État qui va donner un coup de main, d'un État stratège en ce sens-là pour aider nos entreprises. Et dernière petite chose, on y revient un peu plus tard, mais c'est tout le soutien aux services. Le manque de places en CPE, en logement, est un frein important en ce moment à la dynamique de main-d'œuvre en Saint-Hyacinthe. Donc bonjour, en ce qui concerne la main-d'œuvre, on prévoit accueillir 60 000 à 80 000 nouveaux immigrants économiques chez Québec solidaire pendant les 4 prochaines années. On va aussi bien sûr favoriser la régionalisation de ces immigrants-là pour qu'ils puissent combler les postes dans l'ensemble du Québec et non seulement dans les grands centres urbains. Nous prévoyons aussi rétablir le programme de reconnaissance des acquis ou des diplômes qui a été récemment modifié en fait et l'ancien programme fonctionnait mieux. Donc on va remettre ça de l'avant. On prévoit aussi établir un programme de formation spécifique dans des secteurs clés. Donc, il y a des secteurs qui ont besoin, bien sûr, de main-d'œuvre avec une formation spécifique qui ne se donne pas nécessairement ailleurs. Nous, on va, dans le fond, financer ce type de formation-là pour combler les postes dans les secteurs névralgiques. Ensuite, on va aussi favoriser un programme de requalification de la main-d'œuvre de façon plus générale pour tous les emplois qui sont dans des domaines qui sont voués à disparaître. Donc, on va accompagner les gens vers un nouvel emploi.
Écoutez, pénurie de main-d'œuvre, c'est évidemment quelque chose dramatique pour autant l'employeur que pour les travailleurs. On le vit à Saint-Hyacinthe, dans le comté de Saint-Hyacinthe, j'en suis persuadé, comme partout ailleurs au Québec. Moi, je ne suis pas magicien, je ne suis pas ici pour dire que ce qui a été fait n'a pas été bien fait, que c'est de la faute de qui ou de quoi, non, pas du tout. Si peut-être donner mon humble opinion, mon humble... La manière que je vois ça, c'est que de toute façon, c'est que si, par exemple, on parle des 60 ans et plus, j'en fais partie, si on veut ramener les 60 ans et plus dans le marché du travail, il faudrait peut-être songer à réduire un peu les impôts. C'est ce que je suggère au gouvernement qui sera en place. Et finalement... faut y aller, on n'a pas le choix, faut accueillir de plus en plus d'immigrants. On est là en 2022, faut simplifier leur renouvellement de permis de travail et on leur dit bienvenue à Saint-Hyacinthe. Donc, sur l'innovation, c'est sûr que c'est un défi important et il n'est pas indépendant, bien sûr, de la pénurie de main-d'œuvre. Ça va nous permettre d'aider à combler ça aussi. Une des premières choses qu'on doit faire, c'est poursuivre la Cité de la biotechnologie là, qui a été lancée en 2003 par le gouvernement du Parti québécois avec le député Léandre Dion. Là, c'est important d'aller dans ce sens-là. On en reparlera tantôt. D'autres éléments importants, c'est toute la notion de données ouvertes. Donc, en permettant d'avoir accès à des données, bien sûr, de manière correcte, non anonymisées et sans référence aux personnes. Donc, ça va permettre d'avoir un développement économique différent parce que ça nous permet d'avoir des meilleurs outils pour aller chercher les meilleures mesures dans les différentes industries. Là. Ça pourrait permettre des nouveaux développements. Et la dernière chose qu'on veut, c'est soutenir particulièrement les très petites entreprises en ouvrant la déduction fiscale qui est en ce moment limitée selon le nombre d'heures. Là. On veut faire sauter les limites d'heures pour les très petites entreprises pour avoir accès à des faibles taux d'imposition pour donner une marge de manœuvre vers, comme j'ai dit tantôt, l'automatisation et la robotisation pour donner un coup de main. Et puis plus généralement aussi la recherche et développement, là, ça va donner un peu d'air aux entreprises, particulièrement les très petites entreprises pour pouvoir faire ça et même baisser le taux d'imposition au-dessus de 500 000 là, de revenus pour les très petites entreprises. Donc, pour ce qui est de l'innovation, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est supporter, en fait, les entreprises dans leur transition, on va dire, éco-responsable, dans le fond, principalement en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie. Ce qu'on sait, c'est qu'au Québec, on a une électricité verte. Par contre, malheureusement, il y a beaucoup, en fait, on ne veut pas blâmer les entreprises ici, là, beaucoup, en fait, de vieux bâtiments en général, qu'ils soient publics, privés, peu importe, qui fonctionnent encore avec du chauffage à gaz, qui n'ont pas nécessairement une bonne efficacité énergétique pour ce qui est de l'isolation, etc. Si on veut accompagner en fait les entreprises dans cette transition-là, parce que on ne pourra pas juste tout le temps juste produire plus d'énergie, il faut être plus économe avec l'énergie qu'on a. Ce qu'on veut faire aussi, c'est favoriser l'économie circulaire et de proximité. On a un bel exemple ici à Saint-Hyacinthe avec Crème et Brasseurs du Monde. Donc, c'est quelque chose qu'on veut particulièrement mettre de l'avant, dans le fond, utiliser les produits résiduels de l'industrie pour l'utiliser pour un autre. Écoutez, moi, personnellement, d'abord, je veux féliciter tout le travail qui est fait actuellement par nos amis de la MRC des Mascoutins, et également de ce qu'on appelle maintenant, bien sûr, la Technopole, Saint-Hyacinthe Technopole. Ça, je trouve ça extraordinaire. J'ai quitté Saint-Hyacinthe durant 16 ans, de 1998 à 2014, et quand je suis revenu, j'ai tout vu, tout le changement qui avait été apporté, puis il y a eu évidemment récemment certaines fusions, certains départs, ainsi de suite. Mais tout le travail qui est fait présentement par M. André Charon, son équipe à la MRC, tous les maires partout dans la région du comté de Saint-Hyacinthe, je leur lève mon chapeau parce que c'est pas facile ce qu'on vit présentement avec la pandémie qu'on a eue dans les deux dernières années. Alors moi, si jamais le bon Dieu et les électeurs surtout me permettent de devenir votre député, je vais être là à votre écoute, je vais être là pour porter votre message à l'Assemblée nationale. C'est garanti, comptez sur moi. Vous avez sûrement remarqué, chers entrepreneurs, que depuis que la CAQ est au pouvoir, le ministre Fitzgibbon a multiplié et diversifié les services offerts par Investissement Québec pour vous accompagner.
Notre volonté première est vraiment d'accroître et de diversifier les exportations. Pourquoi? Bien, parce que c'est payant. On veut également miser sur la transition énergétique comme moteur économique pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Comment on va y arriver? Bien, en développant des filières d'avenir comme notamment la batterie et en misant sur les sciences de la vie. Pour ce faire, il faut plus de recherche et plus de développement dans nos entreprises. Et en implantant des zones d'innovation, on va y arriver. Pour répondre à votre question pour Saint-Hyacinthe, la zone d'innovation est très importante pour Saint-Hyacinthe. Et si je suis élue le 3 octobre prochain, j'aurai probablement des bonnes nouvelles à ce sujet. Donc, pour ce qui est des logements, Québec solidaire prévoit construire 25 000 logements sociaux ou publics dans un premier mandat et 50 000 dans deux mandats. On prévoit aussi mettre sur le marché 10 000 maisons abordables dans un programme de rachat et de fiducie pour rendre ça abordable pour les familles. On veut aussi compléter le réseau de CPE qui a été commencé il y a de cela bien des années, mais qui malheureusement a été un peu mis sur le côté. Nous, on croit en ce modèle-là, on sait qu'il est efficace. Puis, au-delà de compléter le réseau, on veut aussi améliorer les conditions de travail et les salaires des éducatrices pour favoriser leur rétention et donc pérenniser le réseau. Oh là là, là on attaque un dossier essentiel, surtout lorsqu'on je m'adresse aux familles qui nous écoutent, des gens qui sont tellement à la recherche de services de garde, autant dans le privé que dans le public. Je leur dis bon courage. Je sais que le gouvernement travaille fort. Je sais qu'il y a des programmes qui existent. Et c'est pas facile encore là dans ce domaine-là. Il y a moyen d'y arriver, mais il faut être patient. Malheureusement, il faut le dire ainsi. Logement abordable, j'ai vérifié à Saint-Hyacinthe, le niveau idéal serait 3% pour pouvoir satisfaire tout le monde, mais malheureusement, on est en dessous du 3%. Il y a un manque flagrant, on a besoin, surtout avec les nombreux incendies qu'il y a eu au centre-ville dans les dernières années, il y a un manque de logements à prix abordable. On en a besoin, on en aura toujours besoin, donc il faut travailler de ce côté-là. C'est vraiment une des priorités, je pense, que le député qui sera élu, qui sera en place, devra s'attarder. Pour répondre à votre question sur les logements abordables, à Saint-Hyacinthe, le problème, c'est vraiment la disponibilité des terrains. Tous les projets que l'Office d'habitation a déposés sur le gouvernement de la CAQ ont été financés. Le gouvernement a même rendu possible, pour accélérer, le partenariat avec le privé. L'argent est au rendez-vous, elle continuera à l'être le 3 octobre prochain. Il faut déposer des projets. Pour répondre à votre question des garderies, mon gouvernement a annoncé 1,4 milliard de dollars pour que chaque enfant ait une place en garderie. La CAQ était déjà en mode solution. On avait déjà commencé la conversion des places privées en places subventionnées. On a déjà commencé aussi à accélérer les places de distribution. Maintenant, ça se fait en moins de 3 mois, contrairement à l'ancien gouvernement, que ça pouvait prendre jusqu'à 1 an. Et dans mon mandat, on parle de 18 projets et près de 500 nouvelles places en garderie. Alors, vous comprendrez que maintenant, il faut laisser le temps aux constructeurs de construire les centres de la petite enfance, mais on continue. Oui, donc le Parti québécois, sur ces deux enjeux-là précis, est vraiment, en fait, c'est dans notre ADN, là. Donc, sur le logement, c'est nous qui avons mis de l'avant le programme Accès Logis à la base, qui a failli être mis de côté là, par l'actuel gouvernement. Nous, c'est très important de poursuivre la mise en chantier de logements sociaux. Donc, c'est sûr qu'on va aller de l'avant avec les 10 000 logements sociaux du programme Accès Logis et on va donner les moyens d'Accès Logis de poursuivre ces actions. On veut aussi aller au-delà du programme Accès Logis. On a besoin d'au moins 5 000 logements dans l'ensemble du Québec. Donc, c'est sûr une partie importante va venir à Saint-Hyacinthe. Dans ma tournée des organismes, là, tout le monde me parle de cet enjeu fondamental-là. Et nous, on le sait depuis longtemps. Là, on ne l'a pas caché ou on ne s'est pas opposé à ça, contrairement au gouvernement. Sur les CPE, ben, autre idée et création du Parti québécois, on fête les 25 ans. Pendant 5 ans, il y a eu un développement de place sous le gouvernement du Parti québécois. Le problème, c'est que dans les 20 années suivantes, sous les gouvernements du Parti libéral et de la Coalition Avenir Québec, il n'y a pas eu de développement suffisant. On veut compléter le réseau, un enfant, une place, ça fait longtemps qu'on le dit, et convertir aussi les garderies privées en CPE pour s'assurer d'une qualité éducative pour tous les enfants.
l'environnement, changement climatique, 2 et 2 font 4, comme on dit, et on est là, en 2022. Il faut vraiment, vraiment faire tous et toutes notre part. Ce que je demande à la population, ce que je demande autant aux élus municipaux, provinciaux, etc., il va falloir trouver une façon pour sensibiliser les gens. C'est une responsabilité, c'est pas vrai que c'est la responsabilité uniquement du gouvernement. Il faut que tous et chacun, on se prenne en main et on dise que, par exemple, selon ce qu'on me suggérait sur une espace de 10 ans, je trouve que c'est grand 10 ans, il faudrait même pas se dire « Oh, on peut attendre dans 10 ans ». Non, non, il faut le faire tout de suite. On est vraiment devant le mur et il faut faire quelque chose. Ici, dans la région, je sais qu'il y a eu ce qu'on appelle à Saint-Hyacinthe, par exemple, depuis 2008, l'usine de biométhanisation. Je félicite les gens qui ont eu l'initiative et on me dit que dans plusieurs endroits, on est conscient de la chose. Alors, moi, je suis prêt à vous donner un coup de main de ce côté-là aussi. Mon gouvernement a investi 7,6 milliards de dollars pour lutter contre les changements climatiques. Grâce à mon gouvernement, le Québec est maintenant doté d'un plan qui est chiffré, qui est financé et qui est réaliste. Pour atteindre notre cible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reviser notre plan à chaque année pour s'assurer d'atteindre la cible. Mon gouvernement a eu le courage de mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures au Québec. Le transport des autobus scolaires électriques, nous avons investi 250 millions de dollars. Il y a une enveloppe de 56 milliards de dollars qui est destinée au transport collectif. C'est une première au Québec. Vous savez, c'est important de cibler les secteurs où est-ce qu'on peut aller chercher le plus de réduction de gaz à effet de serre, et c'est exactement ce que mon gouvernement a fait. Et en électrifiant notre économie, on va faire du Québec un leader mondial de l'économie verte, et ça, c'est important pour la CAQ. Donc, le virage écologique, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour le Québec. Si on fait des demi-mesures ou si on fait la moitié du travail, bien, on va avoir un problème encore plus important dans plusieurs années. C'est en ce sens-là qu'on met 1,5 milliard de dollars de plus à chaque année pour notre plan climat qui est décliné par industrie, parce que toutes les industries, tous les secteurs de l'économie, excusez-moi, vont avoir des effets, un effet différent pour atteindre nos objectifs importants au niveau écologique et au niveau de l'économie verte. Bien sûr, il va y avoir une électrification des transports. Et à travers ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est s'assurer de soutenir nos entrepreneurs, nos entreprises, nos industries pour qu'ils soient capables d'aller vers les meilleures pratiques de réduction de gaz à effet de serre, d'automatisation, d'essayer d'avoir des pratiques qui vont être beaucoup plus rapides avec l'innovation aussi des nouvelles technologies à travers ça. On propose aussi une passe climat universelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes vont pouvoir, pour 365 $ par année, avoir accès à tous les transports en commun à travers l'ensemble du Québec. Donc, que vous alliez à Montréal, que vous alliez à Québec, vous n'aurez pas besoin d'acheter un nouveau titre. Votre passe climat va fonctionner partout, même en prenant l'autobus interurbain, par exemple. Bien sûr, on va essayer de développer plus de transports en commun aussi de manière importante. Dernière chose, on a un fonds d'1 milliard $ pour la transition juste parce qu'il faut s'assurer que ce virage-là se fasse avec tout le monde au Québec. Donc, ce qu'on veut mettre l'avant, c'est créer une politique d'approvisionnement et d'achat, en fait, de tout. Là. Mais on parle principalement des matériaux qui sont locaux. On sait qu'au Québec, un pourcentage significatif de nos émissions de GES sont causées par le transport, environ un peu plus de 40%. Donc, ce qu'on veut mettre l'avant, justement, c'est de créer des économies un peu autosuffisantes locales. Je parlais tantôt d'économies un peu circulaires, mais ça en fait partie. On veut aussi favoriser les matériaux réutilisables, recyclables, qui peuvent avoir une deuxième vie ou qui sont tout simplement plus... qui causent moins de GES, c'est-à-dire, par exemple, utiliser un petit peu plus le bois dans la construction plutôt que le ciment et l'acier qui nécessitent des processus qui sont justement plus énergivores ou qui causent plus de GES. Pour répondre à votre question, ce n'est pas à moi en tant que députée de Saint-Hyacinthe de choisir quels seront les projets structurants ni des imposés à la ville de Saint-Hyacinthe ou bien à la MRC des Mascoutins. Mon rôle, moi, c'est d'être à l'écoute et de porter les projets qui sont importants pour les élus municipaux et d'aller chercher le financement nécessaire. C'est exactement ce que je fais depuis le début de mon mandat.
Vous savez, on ne peut pas tout planifier non plus. Je vous donne à titre d'exemple, durant mon dernier mandat, la modernisation de l'aéroport de Saint-Hyacinthe n'était pas dans les cartons du tout. À un moment donné, le maire me dit, écoutez, Madame la députée, on a un projet qui est important pour la communauté des affaires et qui est structurant. Écoutez, j'ai été à l'écoute et j'ai fait atterrir 3,6 millions, pour ne pas faire de jeu de mots, pour l'aéroport de Saint-Hyacinthe. Alors, moi, l'important, là, c'est de m'assurer que ma communauté va recevoir sa juste part des programmes et de l'argent. Puis je pense que jusqu'à présent, on a reçu pas mal plus que notre part. Oui, comme projet structurant, mais je dirais le premier rôle du député dans les projets du comté, c'est être en soutien, être en concertation, être à l'écoute et surtout de mettre les acteurs en commun ensemble. En ce sens-là, il y a déjà un projet qui est pas mal sur la table, c'est en fait le deuxième niveau, le deuxième élan de la Cité de la biotechnologie qui a été fondée en 2003, donc on irait vers une zone d'innovation. En ce sens-là, moi, je vais être le porte-voix du projet pour s'assurer que la deuxième zone soit possible, que les terres soient disponibles pour le deuxième niveau de développement de la potentielle zone d'innovation. C'est vraiment important. C'est une cité qui a été mise de l'avant par le Parti québécois initialement, par Bernard Landry et Léandre Dion. Il faut continuer en ce sens-là. Il faut s'assurer qu'il y ait du maillage et ça se fait assez bien là, à travers tout ce que j'ai vu. Donc, le député, mon rôle comme député va être de s'assurer que ça se fasse encore plus, de faire le lien entre tout le niveau éducatif, les agriculteurs, la recherche et tout le potentiel d'innovation qu'il y a dans ce domaine-là. Donc, en ce qui concerne le développement structurant, nous, à Québec solidaire, en fait, on croit que les meilleurs acteurs, les meilleurs décideurs pour prendre ces décisions-là locales, c'est les gens locaux, justement. Donc, ce qu'on prévoit faire, c'est décentraliser les pouvoirs, donner justement plus de pouvoir décisionnel aux élus municipaux, mais aussi à tous les acteurs communautaires. Et en se faisant, bien sûr, leur donner les budgets pour être capables de mener à terme leur projet. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. Plutôt qu'essayer de dire aux régions comment se développer, on va les laisser se développer selon ce qu'eux-mêmes préfèrent ou savent qu'il y a de l'avenir. Et deuxièmement, on veut créer une certification fabriquée au Québec. Ça va permettre justement aux entreprises locales de se démarquer de la concurrence internationale. On sait que la pandémie a justement favorisé l'achat local, mais on veut mettre ça encore plus de l'avant. Écoutez, projet structurant, il y en aurait une longue liste. Je vais me limiter à deux. D'abord, la fameuse usine de Saint-Damas, ce qu'on appelle Elxeldor. C'est complet. On me dit que ça a été très bien travaillé, autant par Madame la députée en place que par le conseil municipal, que la MRC. Je dis bravo. Je suis content de savoir que ça va créer des emplois. On parle, je pense, d'une construction dans le coin de la rue Pinard. Donc, bravo. Désolé pour les gens de Saint-Damas si on doit amener ça à Saint-Hyacinthe, mais c'est comme ça. Et finalement, je salue ce matin les gens de Saint-Simon, où j'ai passé 2 ans de ma vie. Ils ont actuellement l'Olimel, la compagnie Olimel, un beau projet de ce côté-là qui va se transformer en habitation vraiment pour amener des nouvelles familles. Je salue M. le maire de Saint-Simon. Et dans ce dossier-là, si je peux aider, parce que c'est un dossier tout récent, je vais essayer de faire mon gros possible pour vous donner un gros coup de main, parce que Saint-Simon, je l'ai dans la peau. Mes deux premières années à l'école, ça a été Saint-Simon. Donc, je vous oublie pas, Saint-Simon. La coalition Avenir Québec s'est donné comme objectif de faire du Québec une nation plus prospère. Et notre vision économique, elle est claire. Nous voulons continuer de travailler sur 5 grands chantiers. On parle de la production et l'achat de produits québécois, sur l'exportation, sur l'innovation, sur la main-d'œuvre et sur l'économie verte. Avec la coalition Avenir Québec, vous avez une équipe qui est chevronnée et qui est expérimentée. Pour ma part, j'ai fait la démonstration que j'étais une députée d'action, une députée de résultats et une députée à l'écoute de sa communauté. On parle de 240 millions de dollars qui ont été investis dans la grande région de Saint-Hyacinthe depuis le début de mon mandat. Alors, je pense que mon bilan parle de lui-même. Alors, le 3 octobre prochain, continuons ensemble et votez pour la coalition Avenir Québec. Donc, comme conclusion générale, moi, qu'est-ce que je veux, c'est d'abord être quelqu'un à l'écoute, présent, qui va être très facile d'approche,
Je l'ai faite à travers tout l'été. J'ai fait la tournée des différentes municipalités, des quartiers dans les différentes fêtes. Je l'ai faite en ce moment à travers les organismes aussi. J'ai fait les conseils de ville le plus possible. J'ai bien sûr été dans plus de quelques entreprises aussi. Je fais du porte-à-porte, donc j'essaie d'être le plus présent possible comme candidat, et c'est ce que je veux être comme député aussi, quelqu'un facile d'approche qui va être là pour concerter, pour essayer de faire le maillage des différents acteurs à Saint-Hyacinthe et dans la région. J'ai une place importante dans mon parti, ça me permet d'avoir accès aussi facilement à des décideurs. Je sais comment ça marche à Québec, donc je pense que je pourrais être un bon porteur de ballon pour les projets de Saint-Hyacinthe à Québec, autant du côté politique que du côté administratif. Quelqu'un qui fait un cadre financier dans un parti, ça a quand même ça peut avoir un bon impact pour la région. Bref, qu'est-ce que je vous propose? C'est vraiment une approche intelligente, d'ouverture, concertée. Je ne suis pas un être de demi-mesure. Quand on se met d'accord, on monte les dossiers correctement, on se met d'accord, puis après, on avance intensément puis correctement. Pas de demi-mesure. Un député qui va être présent, qui défend son monde, qui porte les ballons de des projets du comté, et un député, bref, qui s'assume. Alexis Gagné-Lebrun, votre candidat du Parti québécois. Donc, comme vous le voyez, en fait, j'espère avoir réussi à démystifier un peu certains mythes tenaces par rapport à Québec solidaire. Donc, Québec solidaire n'est pas anti-compagnie ou anti-privé du tout. En fait, on croit fondamentalement que les PME, c'est la colonne vertébrale de l'économie du Québec, et on veut particulièrement mettre ça de l'avant dans nos régions, en fait, dans nos municipalités. Si vous avez des questions, parce que, bien sûr, ces courtes capsules-là ne pourront pas répondre à toutes vos questions, vous pouvez me rejoindre à philippe.degnaud@commercialquebecsolidaire.net. Quelle belle expérience que je viens de vivre ici dans les locaux de la Chambre de commerce. Je m'en voudrais de ne pas remercier Mme Lucie Guillemette qui m'a ouvert toutes grandes les portes, Mme Rosalie Croteau, je pense également, qui a travaillé avec elle dans ce dossier-là. Je veux dire aux gens d'affaires, parce que je sais que ça s'adresse d'abord et avant tout aux gens, aux hommes et aux femmes d'affaires de la région. Je sais très bien que Gary Degnaud, candidat indépendant, ça ne vous dit absolument rien et je ne serai sûrement pas votre choix. Et je respecte d'ailleurs votre choix. Je demande aux gens qui nous écoutent de voter avec le cœur, de voter avec la tête et de ne pas voter uniquement en fonction du chef. Moi, j'en ai pas de chef, je suis un candidat indépendant, donc si vous votez pour moi, vous ne voterez pas pour aucun chef. Mais vous allez voter pour quelqu'un qui va vous représenter. Un gars de Saint-Hyacinthe, natif, je le répète, comme je l'ai dit dans mon ouverture, un vrai mascoutin, pure laine à 100%. Si j'ai dit un peu plus tôt que j'avais Saint-Simon dans la peau, je l'ai eu pour 2 ans seulement, mais j'ai vraiment Saint-Hyacinthe dans la peau. Et j'étais tellement fier. Partout où j'ai travaillé au Québec, et j'ai travaillé en Abitibi, j'ai travaillé à Chicoutimi, j'ai travaillé partout en radio et j'ai toujours dit que je venais de Saint-Hyacinthe. Je me suis jamais, jamais caché pour dire que je venais de Saint-Hyacinthe. Moi, je veux être le candidat de tout le monde, de tout le monde, et peu importe le statut, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe la couleur de la peau, je veux être le candidat de tout le monde. Il y a beaucoup d'immigrants peut-être ou de gens qui proviennent de d'autres pays qui vont nous écouter ce soir ou cet après-midi, peu importe le moment où ce sera diffusé. Je leur dis à ces gens-là, bienvenue à Saint-Hyacinthe et vous êtes important. Vous faites partie de notre ville, vous faites partie de notre vie. Moi, je vous accueille à bras ouverts et quand j'aurai un bureau, vous serez les bienvenus chez nous. Alors, merci encore une fois aux gens de la Chambre de commerce et n'oubliez pas d'aller voter le 3 octobre, s'il vous plaît. En terminant, je remercie grandement les candidats d'avoir pris le temps de venir nous partager leurs idées, mais je veux aussi surtout remercier vous qui êtes à l'écoute, qui vous intéressez à la politique, c'est super important. Donc, je veux terminer en vous disant, allez voter le 3 octobre, c'est un devoir de citoyen. Merci beaucoup.